Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hearthstones. Donc aujourd'hui on se retrouve pour du mode libre avec un deck chasseur de démons impair. Avec donc ce deck qui est vraiment très puissant, hein, que je joue depuis quelques temps. Là je suis passé en diamant grâce à lui, il est vraiment excellent ce deck, je vous le présente dès maintenant. Alors, acolyte radieuse, x2, brûlure de mana, un seul exemplaire. Coureur du cachet cramoisi, x2, démon belliqueux, x2, manavore, x2, très puissant hein, contre beaucoup de cartes, provocation, râle d'agonie, tout ça c'est très très puissant. Modeste écuyer, x2. Ghoul joyeuse qui se combat très largement avec la lame de guerre des Ardrachi. Donc vous vous soignez et puis derrière, boum, la ghoul joyeuse arrive gratuitement à 0 de mana. Donc vous pouvez le comboter aussi bien avec ça et le rayon accablant. Malfrat du paria. Rayon accablant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Surveillance satyre, qui vous permet de remettre du bord très rapidement. Adepte Lich Glaive. Glaive de guerre d'Azinoth, très très puissant dans ce deck, qui se combat très très bien avec le modeste écuyer, ainsi que le démon belliqueux. C'est très très fort, vous pouvez aussi le comboter avec le malfrat des parias. Ça a vraiment multiples combos avec ce glaive de guerre d'Azinoth. Oreb, métamorphose démoniaque. Prêtresse de la fureur et Baku le globe lune qui vous permet de voir des cartes impaires et de doubler la puissance de votre pouvoir héroïque. Donc c'est parti, on va voir ce que ça vaut. Illidan contre Tyrod. La puissance brute ne saurait remplacer la vraie force. Alors, métamorphose démoniaque, ça sert à rien, pas pour tout de suite tout du moins. La lame de guerre Arachi non plus, on va garder le malfrat des parias. Pas une super main, vraiment pas. Personne ne survivra. C'est vraiment pas terrible comme main de début. Je me demande... La vengeance m'appartient. Travail terminé. Continuez Hero Power parce qu'on n'a pas grand chose à faire malheureusement. Vos désirs ne sont que des suggestions. Zéphyr le Grand. Alors ça c'est plutôt bien. Puisqu'on peut faire ça. S'infliger du dégât et se soigner par la même occasion. Comme ça on a la ghoul joyeuse à 0 de mana. Croissance sauvage. Faire un cristal de mana vide. Halt, qui va là ? On tabasse. Razal enchaîné, donc maintenant son pouvoir héroïque coûtera 0 de mana. Bien casse-pied, très très casse-pied même je dirais. On va jouer l'arme. La vengeance m'appartient. Et on va taper à fond pour buffer notre malfrat des parias. Ah j'aurais pu lui donner un 1-1 de plus dès le départ, j'étais bête, tant pis, c'est pas grave. Autant pour moi, j'ai fait une erreur, ça arrive. Hmm.
Quelle est la volonté des lunes ? D'accord. Se soigne. J'espère que vous aimez mon invention. Voilà, il a perdu. Votre puissance. C'est fini. Voilà, il avait perdu, de toute façon, j'avais la métamorphose démoniaque. Alors nous avons un démoniste. Qu'on en finisse. Alors on a brûlure de mana qu'on peut garder, le malfroid des parias on peut le garder, c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu quand même. Ouais, on va garder ces deux là. C'est pas terrible terrible comme main de départ, on va bien voir ce que ça vaut. Ah, on dit bonjour au monsieur, on pose notre modeste écuyer. Alors d'accord, il joue la quête, d'accord, il pioche 20 cartes. Et ça lui fera popper, comment ils appellent ça, un totem, un tome des origines, c'est ça. La vengeance m'appartient. Allez hop, on lui enlève des points de mana en moins pour le prochain tour. Du coup ce tour-ci, bah, il peut pas jouer, hein, il est à 0 sur 2. Il peut rien faire, il peut même pas aller chercher une carte. Alors je me tâte de mettre tout de suite ça parce que je vais le comboter avec ma goule joyeuse. On va continuer à lui affliger des points de dégâts. Voilà, donc il me détruit mon serviteur avec le ciel manquant. Ciel menaçant, excusez-moi. On va faire ça. Hero Power, toujours. On continue de lui taper dans les dents. Ah, le Hero Power a 2 points d'attaque qui fait très mal. Hein. Pour le coup, c'est même plus efficace. Vu qu'il coûte 1 de mana, c'est plus efficace que celui de chasseur. Il n'avait pas 8 cartes dans sa main, donc il ne coûtera pas 5 cristaux de moins. Plutôt avantageux. Je ne vois que pas vite. Allez, on en fait une 5-5. Voilà, il live. Un premier liver. Donc j'espère que ce deck vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous mets le lien du deck en descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures. Salut les amis.